Thank you.
Pourquoi ? Pourquoi ne ployez-vous pas, misérable ? On a réussi ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Garuda ! Garuda ! C'est déjà terminé ? Garuda, c'en est déjà fini de toi, la divinité des rafales ? Toi qui es la plus cruelle et la plus vicieuse des primordiaux, est-ce là toute l'étendue de tes pouvoirs ? Gaius ? Tiens donc, Cid. Après avoir fui ton père, ton pays, et même moi, qui vas-tu trahir cette fois-ci ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je... Sache que j'œuvre ici pour l'intérêt général. Comment oses-tu, vermi ? Je suis le primordial suprême. Comment un misérable humain ose-t-il me manquer de respect ? Je sais. J'ai compris. C'est la protection d'Aïdé. Très bien. Puisque c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle manigance ? Arrêtez ! Vous nous faites mal ! Mais... ce sont des Amalja et des kobolds ! Non. J'ai peur de comprendre. C'est pas le moment de rester planté là. On dégage. Faibles primordiaux, je vais vous absorber pour devenir... Proto Ultima. Qui est à craindre maintenant ? Tremble devant l'arme anti-primo. Ultima Arma ! Magnifique ! Quelle puissance ! Elle devrait écraser les primordiaux sans mal ! En assimilant les primordiaux, l'Ultima Arma. Ceux qui s'opposent à l'Empire seront... Ces guerriers de la lumière qui vous ont jadis sauvés, ils n'existent. Alors, misérable dirigeant des Orzea.
Je suis curieux, très curieux de voir la suite des événements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que cette chose? Et qui est cet homme en armure? Le général Gaius von Baelsar, le commandant de la 14e Légion Impériale. Celle-là même qui tente d'envahir Eorzea. Mais bien sûr, le loup noir. Les notes de mon grand-père parlaient de lui. Je ne croyais pas qu'il avait renoncé à son ambition de conquête d'Eorzea. Mais de là à penser qu'il avait un tel atout dans son jeu. Il me semblait pourtant que l'Empire avait fait profil bas pendant ma période de blanc. C'est exact. À notre connaissance, ils n'ont pas effectué de grosses manœuvres depuis la construction de leur base. Maudit Gaius, qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? En tout cas, la menace que représente Egar, je dirais même qu'on n'aura sans doute plus à se préoccuper des primordiaux pendant quelques temps. Mais c'est de l'Empire qu'on va devoir s'inquiéter. En effet, cette arme pourrait mettre en danger Eorzea. Nous devons la neutraliser au plus vite. Mais sans plus d'informations, nous ne pourrons agir. Il faut nous retirer et Commençons par rentrer au refuge des sables. Notre lueur d'espoir brille, et nous, héritiers de la 7e aube, nous ne la laisserons pas vaciller. C'est à nous de la faire grandir pour qu'elle illumine l'horizon.